Attendez deux secondes, hein, s'il vous plaît, je nettoie les toiles d'araignée. Mais on parle du fait que j'ai pas sorti de vidéo depuis au moins un mois. Même si j'ai sorti que 3 vidéos, il s'est passé quand même pas mal de choses. Déjà, lundi dernier, on a atteint les 200 abonnés, donc ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Et avant, petite parenthèse, vous êtes 98% à ne pas être abonné en regardant mes vidéos, donc merci de s'abonner, ça ferait quand même plaisir. Et donc c'est parti pour la vidéo, bonne vidéo. Première news, j'ai sorti une vidéo qui parlait de la mort de 6ix9ine le 27 avril. Évidemment, tant attendu, il n'est pas mort. Et je tiens à préciser que c'est la vidéo que j'ai le moins écrite. Le matin, j'ai vu un TikTok, je me suis dit, je vais tourner la vidéo. Et donc je l'ai tourné, je l'ai monté, je l'ai mis en ligne. Mais je l'ai absolument pas écrit, il y avait rien d'écrit dedans. Voilà, je tenais à le préciser parce que ça servira plus tard dans la vidéo. Ensuite, je suis passé sur l'Instagram officiel de l'application VN. C'est une application de montage sur Apple et sur Android. Et le compte a atteint les 60 000 abonnés la semaine dernière, donc bravo à eux. J'ai mis aussi du coup la vidéo en ligne sur YouTube. C'est les mises à jour de VN d'avril. Ensuite, j'ai eu l'idée de créer mon premier serveur Discord. Il est mort le premier jour. Il est mort le premier jour et je me suis fait raid. Donc bah, je referai pas de serveur Discord, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Ensuite, grosse nouvelle, la raison pour laquelle j'ai fait un mois sans vidéo, c'est parce que je prépare plein de petits projets à gauche à droite pour cet été. Je vais vous en parler plus précisément le 1er juillet où sortira une vidéo du coup. Je suis très fier de ce projet et j'espère qu'il vous plaira également. J'espère que vous allez me suivre tout au long de ces vacances, mais je vais pas vous en dire plus. On passe ensuite à la prochaine nouvelle. La partie tant attendue de cette vidéo, c'est pourquoi j'ai décidé de la tourner. C'est au sujet de la vidéo de 2020 Vision. Là, je regarde mon compteur d'abonnés monté. Il était, il me semble, à l'époque à 130. Enfin, à l'époque, la semaine dernière. Il était à 130 et le lendemain, je le regarde, 140. Je n'ai jamais gagné 10 abonnés en un jour. Donc je me dis, il y a un problème. Soit il y a un gros youtubeur qui a partagé ma chaîne, ou alors la deuxième option, c'est qu'il y a une vidéo à moi qui est en train de marcher. C'était la deuxième option et c'est 2020 Vision. Je suis passé en une journée de 700 à 1500 vues et là, ça ne fait que monter encore. Voilà pourquoi on a atteint les 200 abonnés. On a eu une cinquantaine d'abonnés en une semaine, ce qui est vraiment énorme. Même ceux qui se sont abonnés en regardant la vidéo 2020 Vision, grâce à vous on est encore plus sur cette chaîne et c'est cool. Donc j'ai proposé dans les commentaires de la vidéo 2020 Vision, aux 1000 abonnés je fais un épisode 2 sur cette chaîne ou sur notre chaîne de votre choix si vous voulez. Donc, bref, je suis dans les premiers quand on tape 2020 Vision et comme en ce moment c'est une des top recherches, en tout cas en France, je suis extrêmement bien classé. Voilà, je suis assez content du coup. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop courte, en tout cas c'est déjà fini. Il n'y avait pas beaucoup de choses à raconter mais je voulais quand même vous faire part de mon ressenti pendant ces 3 mois et vous remercier aussi tout simplement. Cette série c'est aussi une façon de vous remercier. Si vous venez de me découvrir, merci de vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait beaucoup plaisir. On se retrouve donc une prochaine fois du coup le 1er juillet. Au revoir.